C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ce genre d'affiche qu'on aime le foot. L'Olympique de Marseille affronte Nice. Bonsoir à toutes et à tous, ambiance exceptionnelle dans les tribunes de l'Orange Vélodrome. Les abonnés, c'est pas bon terminant une intro, il l'a eu. Omar Da Fonseca rentre tout de suite la Ligue 1 avec ce duel intéressant, l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. Chaque match à vos côtés, c'est une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle aventure, des nouvelles émotions, surtout devant votre talent des commentateurs. On découvre le 11 marseillais, gardien de but Paulo Lopez. Jordan Veretout sera accompagné de Valentin Rongier au milieu de terrain. Et pour finir, il y aura donc ces trois éléments en attaque. Un bon pressing et ballon récupéré au milieu de terrain. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Attention Milik, elle parade mais le ballon est toujours en jeu. Oh oui, ce but. Oh là là, 3e et 4e. Regardez le ballon qui lui arrive dessus. Il s'émet légèrement des profils. Il a un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Quelle classe! Se débloque. Et c'est pour le gardien, aucun problème sur ce ballon. Je vais compter le but, ça. Ouais, t'es magnifique, les abonnés. On va le revoir à la fin de la vidéo. Le ballon intéressant. C'était le but de l'égalisation et c'est raté. C'est oh là là, c'est dommage. Nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Oh oh oh, doublé, doublé, le doublé. Bon geste défensif pour couper l'attaque. Arkadiusz Milik reçoit le ballon. Allez là, il peut frapper. Doublé. Ça va les gars, il faut parler, on a marqué un magnifique but. Gerson, mais vite court. S'en fout de la balle elle va venir à tes pieds, elle est vivante, elle est sauvage, elle est ha. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. C'est génie ça. Coucou les Niçois, ça va? Vous êtes en train de perdre. Intervention pour stopper l'attaque. Allez, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Il met déjà. Maman. La réception pour les Mina. La grosse opportunité. Attention. Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. On s'en fout, c'est ton pénalty. C'est pas un pénalty, c'est un corner. Si c'est un pénalty, j'aurais déjà arrêté. Ah, le gardien repoussé, attention ce ballon qui traîne. Ouais, superbe défense. La balle est interceptée. Allez, faire un passe à Dimitri. Fais la Gendouzi, Gendouzi. Fais la passe à Dimitri. Dimitri, Gendouzi, Gendouzi. Fais la passe à Dimitri. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Aminari doit marquer.
Christian Thuram. Thuram, laisse-moi la balle. Et c'est donc une touche. Pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique. Les gars, le 28 janvier, je vais au stade Vélodrome. Voir Marseille-Monaco. Monaco, quand même, ils sont pas. Ils sont forts. Mais ils sont pas expérimentés comme l'OM. Arrêtez de courir, arrêtez de marcher, quoi. Oh, imagine si des vrais joueurs. Permettre la récupération du ballon. Morito, c'est la meilleure boisson. Conscient et tentation. Il n'y a que des occasions pour l'OM, il n'y en a qu'une qui était. Ballon depuis environ un quart d'heure. Ce qui compte maintenant, c'est de maintenir cette intensité jusqu'à obtenir l'égalisation. Oh, oh non, je croyais que j'avais pas la balle. Youssef Attal. J'ai perdu une occasion. Oh non, peut-être pas. Peut-être pas. Oh, la passe. La passe. La passe. Gerson. Le pique à la balle à lui. L'évident. Avec l'interception et le ballon est récupéré. C'est du foot. Si on n'est pas l'arbitre. C'est lui qui est venu sur moi. Ah. Touche. Touche pour l'OM. Ah, j'allais dire. C'est pas Memba qui va tirer. J'ai pas envie que ça soit Memba. J'ai pas envie que ça soit Memba. Oh, oh, la perte de balle oh, pour l'OM. Non. La réception pour les Mina. Oh. Oh. Pnaise. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Nous sommes les Marseillais. Ah voilà, et nous allons derrière, gagner. Et nous allons gagner. Allez l'OM. Allez l'OM. Et l'OM. Allez, l'OM. Face à face avec le gardien. Payet, attention, ce n'est pas fini. Je m'en ai capé. C'est un arrêt très important parce qu'il maintient l'équipe en vie à un petit but de l'égalisation. Ouais, voyons comment l'équipe va rebondir après cette parade. La frappe de Guiri. Oh. Facile pour Paolo. C'est leur première occasion. Désolé ceux qui sont pour Nice. Moi je suis pour l'OM. Ah. La projection dans le camp de l'adversaire. Mais Milik, c'est le meilleur de l'OM. Elle a pas mal, mais ce n'est pas fini. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne passe pas. C'est concentré. Oh, ça c'est Jujuju, le Khalami, je veux tout Jujuju. Jujuju, tout Jujuju. C'est contre son camp. Ah ouais! C'est contre son camp. Ah, on va voir si. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ah non, c'est pas un contre son camp. C'est un contre son camp. Ah bah ils ont dû compter une unique. De jouer avantage. Mario Lemina. C'était la V. Voilà une attaque qui progresse bien. Sans problème. Fait consulter la V. Allez, nous sommes les Marseillais. Et nous allons gagner. C'est quoi ça, tête pourrie? Allez, ouais. Colabinac. Allez, on change de propriétaire. Allez, attends, c'est manger à kebab Lopez là. Par-dessus ce ballon. Tellement c'est long, il n'y a pas besoin d'arrêter les buts lui. Allez, faut essayer d'aller provoquer la défense. Ah, tu peux aller à la boutique du stade. Hein. Ouais, c'est un ballon marqué. Élégant du gardien. Et tu peux aller à la boutique du stade s'acheter un autre maillot le temps que essayer de marquer et après voilà. La faute est signalée par l'arbitre. Franc.
Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Il faut bien être sacré dans un Oscar. Il faut pas me dire Casabunga. Oui. Mais pas le contrôle du ballon. Mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football, Milik. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Et ça tient, ça tient. Et l'équipe la bonne frappe. Sans doute définitive. Triplé de Milik. Ah non, premier but c'était Gerson. Le but magnifique. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. On voit ensuite la finition côté fermé qui trompe le gardien, qui me semble battu un peu trop facilement sur son premier poteau. C'est la reprise dans ce match, et donc les Marseillais qui ont 3 buts d'avance. Essayez l'arbitre qui indique la... Allez, revoir le but. Attendez. Ils ont tous ce sourire. C'est reparti dans ce match, et c'est une rencontre compliquée pour le GC Nice. Je gagne tous mes matchs. J'ai perdu aucun match. Ah si, dans la vidéo, je me suis fait humilier. Oh, le ballon qui est perdu. Ça faisait longtemps que j'ai pas joué. C'est genre de vous. Voilà, ça sort en touche. Calvin Stengs. Le ballon est récupéré. Et ça joue sur Attal. Amine Gouiri avec le ballon. Ah oui, l'excellent ballon.
Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps. C'est pas mon but. Et bouche parfaitement. Ah non, j'ai oublié mi-temps. La frappe est bien mordue. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Ah, il faut absolument sortir ce ballon maintenant parce qu'il y a une grosse pression. Et un petit rappel avec ce rendez-vous de Ligue 1 à suivre bientôt ensemble. L'OM affrontera la JOC. Ce sera le... Je vous coupe, mais c'est chaud là. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et derrière, elle est intéressante, cette finition petit côté. C'est très bien joué parce que ça vient prendre le gardien à contre-pied. Ah, c'est la punition, 4-0 au tableau d'affichage. Ballon pour Andy Delors. Le ballon pour Barre. Ballon pour Khéphren Thuram. Un ballon capté sans problème. La réception pour Lemina. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Excellente l'intervention dans la surface. Todibo. C'est un ballon perdu par Nice. Sortie en touche. Ah, bonne protection du ballon avec son corps. Amine Gouy avec le ballon. Et bon arrêt du gardien. Voilà, le remplacement intervient. Le numéro 22, Calvin Stanks. Pour le remplacer, le numéro 28, Hicham Boudaoui. Changement pour l'Olympique de Marseille. Sort du terrain. Le numéro 9, Arkadiusz Milik. Son remplaçant, le numéro 17, Jan-Gilles Unger. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Oh oui, quelle parade! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit. Ouais, ce coup de pied arrêté est joué court. De nouveau, un corner à jouer. Le corner. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Ah, une grosse opportunité, attention. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation! On revoit ce but plein d'opportunisme. C'est tout un art, hein, d'être toujours au bon endroit, dans le bon moment. Et voilà un match complètement déséquilibré. 5 buts à rien. Avec Dimitri Payet maintenant. Un tacle parfaitement exécuté pour récupérer la possession. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Oh, le ballon intéressant. Quelle occasion! Attention, l'arbitre siffle faute.
qu'est-ce que vous en pensez? On est clairement face à un anéantissement d'action de but. Pour moi, c'est rouge sans hésiter. L'arbitre la sort seulement le carton jaune pour cette faute. Pourtant, c'était bien une opposition de dernier défenseur. Ça aurait pu être bien pire. Le ballon tourne bien, mais ne revient pas assez vite. Ça se joue à quelques centimètres. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. Hicham Boudaoui avec le ballon. Et bien fait, attention à l'occasion. Et non, il y a une position de hors-jeu signalée. Et vous le savez, on se retrouve très bientôt pour un match de Ligue 1. L'OGC Nice affrontera Montpellier. Comme ils disent les jeunes maintenant, je suis hypé, c'est ça? Je suis très hypé par ce match qui arrive. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et voilà, ça sort en touche. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Allez, bien frappé ce corner. Attention, c'est pas terminé. Le ballon sort en touche. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Oui, faute, l'arbitre intervient. C'est un coup franc. Il y a du monde, évidemment, dans la surface sur ce coup franc. Attention, le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Et au final, ça ne donne rien. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Allez, le crochet pour aller provoquer à l'intérieur. Ah, c'est bien défendu, ça. Le danger maintenant est écarté. Sengiz Under. Et c'est vers Dimitri Payet. Ballon vers Payet. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Thuram. Ah, attention, le ballon leur échappe. Ballon vers Payet. Attention, le ballon est rendu à l'adversaire. Mario Lemina. Et ça joue sur Sengiz Under. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Oh, c'est contré! Kefren Thuram. Ah, le contre est possible. Ballon pour Kefren Thuram. Ah, le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Orientation vers Mario Lemina. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Oh, il s'est bien servi. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Et le ballon change de camp. Kefren Thuram. Et voilà une bonne récupération là. Oh, c'est un bon ballon ça. Ah, nouvelle occasion ici. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention.
à la défense s'en sort bien sur l'action. Oudaoui. Lemina. Oui, sans commettre de faute. Et aucune difficulté pour Schmeichel là-dessus. Ah, c'est bien parti. Ah, le danger encore présent. Oh, Schmeichel, le sauvetage. Et voilà, c'est un changement donc. Le corner. Bien joué, bien défendu, mais l'action n'est pas terminée. La fin donc du temps réglementaire et les Marseillais remportent ce match. 3 points pour les Phocéens. Attention Milik, elle le parade, mais le ballon est toujours en jeu.